On est toujours de plus en plus d'humains sur la Terre, mais on n'a pas plus de territoire à occuper. Donc, on n'a pas le choix à long terme de commencer à revoir comment est-ce qu'on développe les villes. On est confronté à cette nouvelle réalité-là. Une réalité où on doit travailler avec les citoyens, on doit faire évoluer un peu la pensée collective là, sur la densification. Quand on parle densification, on pense d'abord et avant tout à créer des alternatives de logement pour répondre aux besoins changeants des populations. You know, growth is not just about cranes and new buildings. It's about people, and we're community members, we're neighbors. We want this change, we need this change. The only way that we're going to be able to afford to live in this city is if we have more housing choices. Il y a un engouement pour la densification parce qu'on sent que c'est la solution. We can do a much better job delivering services more efficiently, effectively, sustainably when we're all closer together. We need to make our cities great, and it is the most environmentally sound way for us to deal with climate change. Il n'y a peut-être pas assez de projets de densification réussis que les gens peuvent voir au quotidien, mais une fois qu'on va commencer à s'accoutumer à ces milieux-là, on va faire « Ah ouais, ben crime, on devrait avoir ça partout ». Je pense que c'est essentiel que dès le début, il y ait des dialogues, des consultations entre citoyens, villes et promoteurs, et pas à la fin, parce qu'à la fin, là, on tombe dans la réaction et la contestation, alors qu'on peut être constructif vraiment dès le début. J'ai des citoyens dans mon quartier qui sont mobilisés contre un projet. Ils se sont appropriés les enjeux d'urbanisme et maintenant, ils jouent un rôle extrêmement positif dans le quartier où est-ce qu'ils viennent proposer des mémoires à la ville. Quand on amène un projet auprès d'une population, il faut qu'on accepte, je pense, que ce projet-là va évoluer puis va changer. Ça vaut la peine d'en parler en amont, de faire comprendre notre projet, de faire comprendre nos intentions. Si on met toutes nos têtes collectives pour mieux réfléchir à la densité, on va arriver avec des solutions innovantes qui vont être acceptables pour tous. Il est clair que les promoteurs immobiliers qui ont du succès ne font pas que d'assembler de la brique et du mortier, que ces promoteurs aussi construisent des communautés. Les élus doivent chercher un équilibre entre représenter les désirs de la population, mais aussi l'idée vers un changement qui peut être positif. Les meilleures pratiques, il faut en parler. Il faut se rencontrer, il faut se les échanger. C'est pas en restant chacun dans notre coin qu'on va les trouver. C'est comme ça qu'on peut changer les choses, qu'on peut s'encourager à vouloir changer les choses. Change is inevitable. Every city is facing it. It's how we shape it. You've got to give the majority the opportunity to understand and to contribute to ideas. And I think with that, you can make lots of change. You can make lots of positive change.